Bonjour chers téléspectateurs, nous sommes sur le site de construction où il y a la construction du bureau d'études Sauvelmash à pleine voile. Nous avons déjà fait un nombre énorme de vidéos où nous vous avons montré quels travaux il y a et qu'est-ce qui suit ces travaux. Au jour d'aujourd'hui, on va tourner un tour traditionnel du site et on va vous montrer ce qui a changé. Derrière moi, vous voyez les fondations où on va monter l'ossature au métal du bâtiment administratif et ménager. Là, à côté, vous voyez que les constructions au métal des sites de construction sont vraiment à côté. Et vous voyez également un écart coupe-feu et vous voyez de nouvelles fondations, et peut-être il y en a qui posent la question, pourquoi c'est maintenant que vous avez coulé ces fondations? En fait, tout va selon le plan. Avant, il y avait des grues, il y avait de l'équipement lourd à cette place. Maintenant, on déplace l'équipement lourd, et c'est maintenant qu'on a commencé ces travaux. Commençons quand même notre mouvement, et changeons d'angle, parlons en plus de détails d'écart coupe-feu, et nous allons vous montrer la frontière entre le bâtiment administratif ménager et le site industriel. Nous sommes à côté de l'écart coupe-feu. Il y a eu déjà la coulée de la fondation. Les coffrages n'ont pas encore été démontés. On va le faire bientôt. Et le mur va aller jusqu'au bout du bâtiment administratif et ménager. Maintenant, on y fait des travaux fonciers. On nettoie le site. On se prépare de la place et on va continuer les travaux. Et d'ici, vous pouvez voir très bien combien de travaux ont été faits et combien il reste à faire. À gauche de moi, vous voyez beaucoup de fondations couler. Et c'est vraiment impressionnant, les gabarits, la taille impressionne. Et le bâtiment administratif et ménager ne sera pas petit, il sera vraiment grand. En revanche, si on compare avec ce qui a été fait avant, vous verrez que la taille n'est pas si grande que ça. Mais c'est bien conforme aux exigences. On peut voir d'ici également qu'il reste juste deux axes pour fermer entièrement la partie d'essai et industrielle. Et les ouvriers vont s'occuper étroitement du bâtiment administratif et ménager. Et il y a tous les travaux préparatifs concernant les fondations, concernant l'écart coupe-feu. On apporte ici, on amène ici des constructions nécessaires et tout sera dans le planning, selon les tâches qui ont été fixées. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Un jour, nous vous disions qu'il y avait Tchebourashka ici, Tchebourashka, le personnage d'un dessin animé russe avec de grosses oreilles. Et effectivement, il y a des bâtiments annexes qui ont l'air des oreilles de Tchebourashka, où il y a les transformateurs, l'équipement de gaz, les systèmes de distribution de gaz, les systèmes climatiques, etc. Mais en fait, notre Tchebourashka n'est pas si simple que ça. Il n'a pas deux oreilles, mais il en a quatre. À gauche de moi, vous voyez le montage d'un corps, une oreille, et les travaux commencent pour monter une quatrième oreille de l'autre côté de la partie industrielle. Déplaçons-nous vers le fond du bâtiment maintenant et regardons les éléments qui avant étaient en dehors du bâtiment, mais maintenant ils sont profondément sous la construction au métal, sous le l'ossature au métal. On y va. Notre bâtiment est devenu si grand que notre voisin, et c'est le centre du traitement des données de Sberbank, n'est même plus visible derrière notre Tchebourashka. À l'intérieur du bâtiment, l'ambiance est tout à fait différente et nous avons eu de la chance. C'est le début de la pause déjeuner. La plupart des employés sont partis pour déjeuner et c'est calme ici. Et maintenant, nous sommes sous le toit. C'est le plancher du premier étage. On voit que cela grandit sur le périmètre de toutes les constructions au métal. Très bientôt, tout sera fermé ici et les ouvriers commenceront le montage de la toiture.
Je pense que la vue sera formidable. Et nous pourrons vous montrer des choses du haut dans les vidéos ultérieures. Nous vous avons déjà montré les volets d'escalier et les puits d'ascenseur à droite de moi. C'était en dehors des constructions en métal. Mais maintenant, tout cela est bien dans le bâtiment. Et regardez bien que maintenant, il y a des travaux de béton. On met les coffrages, il y a des grues qui installent ces coffrages. Et puis, on va couler du béton et tout cela grandit jusqu'au toit. Il faut tout l'équipement nécessaire. Voilà, les puits d'ascenseur, ils sont déjà là, ils ont déjà bien occupé leur place. Je pense que les employés vont les utiliser tous les jours, les employés qui vont travailler dans cette partie du bâtiment. L'équipement d'ascenseur nécessaire sera également sur le toit. Une partie des volets d'escalier aura l'accès sur le toit pour effectuer des travaux nécessaires. Les travaux de service, bah, on ne sait pas pourquoi on voudrait aller sur le toit. Voilà, il y aura cette opportunité très commode. Et là, nous sommes arrivés au niveau de la partie d'entrepôt. Pour l'instant, il n'y a pas de plancher entre étages, il n'y a pas de locaux, c'est juste un hangar vide et il faut mettre assez de temps pour traverser tout cela. Et vous pouvez imaginer, quand il y aura tout l'équipement ici, combien de temps il faudra pour passer du bâtiment ménager et administratif jusqu'à la partie d'entrepôt. Le volume est vraiment impressionnant et cela inspire du respect et de la confiance, c'est sûr. À part cela, il y a beaucoup de travaux, le compactage du sol couche par couche, les travaux de soudure, les travaux d'armature. Tous les jours, il y a un volume énorme du travail, y inclut des travaux de montage. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus rien à dire. C'est du travail de routine, le travail de tous les jours qu'il faut faire, qu'il faut effectuer. Et c'est la même chose, mais quand même, le contrôle par rapport à la qualité des travaux est vraiment méticuleux. Pourquoi? Parce que la qualité des travaux effectués va influencer sur la possibilité ultérieure de travailler ici, dans ce bâtiment. Aussi, cela influence sur le passage de toutes les commissions d'État et beaucoup d'autres choses, sur beaucoup d'autres choses. Donc, suivez avec attention les nouveautés sur notre chaîne. Nous allons vous tenir au courant des travaux effectués sur le site. Abonnez-vous, laissez vos commentaires, laissez vos questions. Peut-être il y a quelque chose de concret qui vous intéresse lié à la construction. On va essayer de répondre à toutes vos questions. À bientôt.